Le Nouveau Royaume. L'Égypte ancienne peut être considérée comme une oasis dans le désert du nord-est de l'Afrique, dépendante de l'inondation annuelle du Nil pour soutenir sa population agricole. La principale richesse du pays provenait de la fertile plaine inondable de la vallée du Nil, où la rivière coule entre des bandes de collines calcaires, et la delta du Nil, dans laquelle il se fane dans plusieurs branches au nord de l'actuel Caire. Entre la plaine inondable et la colline se trouve une bande variable de fables déserts qui soutient une certaine quantité de gibier. Le Nil était la seule artère de transport de l'Égypte. Bien qu'Amès ait été présidé par Camoz, qui était son père ou son frère, la tradition égyptienne considérait Amès comme le fondateur d'une nouvelle dynastie parce qu'il était le dirigeant indigène qui réunifiait l'Égypte. Poursuivant une pratique récemment inaugurée, il épouse sa sœur Amès Néfertari. La reine reçut le titre de femme de Dieu d'Amon, comme ses prédécesseurs de la 17e dynastie. La reine Amès Néfertari a été influente et très honorée. Une mesure de son importance était sa vénération posthume à Thèbes, où plus tard de pharaons ont été représentés, lui offrant comme une déesse parmi les dieux. La campagne de Ahmos pour expulser les Hicus du delta du Nil et regagner l'ancien territoire égyptien au sud a probablement commencé vers sa 10e année de règne. Détruisant la fortaleza Hyksos avrée dans le delta oriental, il est conduit finalement au-delà la frontière orientale, puis assiège Choron dans le sud de la Palestine. L'étendue de ce conquête aurait pu être beaucoup plus grande. Ses pénétrations du Moyen-Orient est venue à un moment où il n'y avait pas de puissance établie majeur dans la région. Ces fossés politiques ont facilité la création d'un empire égyptien. Amenhotep I, le fils et successeur de Ahmos, Amenhotep I, poussa la frontière égyptienne vers le sud, vers la troisième cataracte, près de la capitale. La pénétration du Moyen-Orient est venue à un moment où il n'y avait pas de puissance établie majeure dans la région. Ces fossés politiques ont facilité la création d'un empire égyptien. Amenhotep I, le fils et successeur de Ahmos, Amenhotep I poussa la frontière égyptienne vers le sud, vers la troisième cataracte, près de la capitale de l'État de Karma, tout en recueillant également l'hommage de ses possessions asiatiques. Et peut être une campagne une série. Les royaumes émergents de Mitanni dans le nord de la Syrie, qui est mentionné pour la première fois, celle de un soldat de Amenhotep, et qui était également connu sous le nom de Nakhren, pourrait avoir menacé le conquête l'Égypte au nord. Le nouveau royaume fut un empereur dévotionnat
être au-dessus de l'état à mort, dont les cultes largement bénéficiaient car l'Égypte en tirait de butins de guerre. Leur richesse fournit Marisson entre 13 de deux. Eliasson de prêter filiale, leur refit constructeur des manteaux, scar, au tebe, séparé des tombeaux, des temples montuaires, rio, ont et riz au bord du désert. Peut-être à cause de cette innovation, peut-être à cause de cette innovation, à Mentup, je suis devant plein de la divinité, patron des avoirons, que un fil et de corps les tombes royales. L'emplacement de ces tombes est inconnu. Thoutmôsis le dixième. Faut renier ses rangs. Amenhotep a fait remplacer par un de ses généraux. Thoutmôs I. Qu'est-ce pas s'opprimer sur Ahmos. Dans les salles de Thoutmôs III, l'état de Karma, il en serait en retour comme Mercure des fortures. Confirme plus tard par Toutaramon III, près des Canisacorgas, au nord de la 5e quatrette. Une ancienne mais brûlant comprend Ezri et à travers les ferons. Et en il auront mon style de victoire près des Carquimiches.